One's to my right. 140. I got one. I get one too. Just kill that guy. Where'd she go? You got her? I finished on my M again. Bang that. Nice, one on top, one on top here. Dead on top! I need to reload! Last one on you. Find the knock! You can play my knock. I don't have light ammo anymore. There's a box on your right side. Nice, he's playing behind this. He's popping a Phoenix. Play man, nice! You never lose. Let's go, guys! Room, you know. Yo les refs, c'est Neyaz. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des meilleurs joueurs français sous une façon tier list. Yo, petite interruption en tout début de vidéo pour expliquer pourquoi la vidéo sort dès aujourd'hui et pas ce week-end. Il faut savoir qu'une personne appartenant à la communauté LCDF a réussi à trouver la tier list entière et à la poster sur Twitter pour ruiner ma vidéo. Il faut savoir que la plupart des gens de cette communauté passent leur temps à humilier les autres streamers, créateurs de contenu, joueurs, etc. Ils n'ont même pas eu l'intelligence et la patience d'attendre la sortie de la vidéo pour écouter les explications que j'avais à dire, comme par exemple, vous le verrez, mais il y a pas mal de personnes que j'ai mis à certains endroits à contre-cœur et par manque de connaissances envers plusieurs joueurs. Il faut savoir que ce contenu a pour but de divertir, je ne détiens pas la vérité absolue. Par contre, quand d'autres créateurs de contenu font des tier listes où personne n'est d'accord, mais ont 500 000 abonnés sur YouTube, la personne vient l'harceler et l'insulter en DM. Je m'excuse pour la balle perdue. D'ailleurs, avec ce type de tier list, si on veut une tier list logique, il suffit juste de classer par ordre de palmarès. Mais honnêtement, je ne trouve pas ça très intéressant. Bref, en tout cas, vous le verrez, j'essaie de valoriser au maximum tout en restant honnête tous les joueurs et créateurs de contenu. Je ne vais pas changer ma vidéo pour eux. S'ils font les Conor McGregor devant leur PC, c'est pas très grave, je fais mon contenu dans mon coin. Vous avez les informations Twitch, TikTok et YouTube des différents créateurs de contenu. Si vous voulez aller les suivre, allez-y, vu que apparemment c'est moi le méchant, je vous encourage à partir. Du coup, j'espère que vous allez quand même apprécier la vidéo et cette pause est terminée. Donc voilà, c'est une vidéo que j'avais envie de faire. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, c'est pas vraiment une vidéo qu'on a l'habitude de voir. Et en tout cas, je tiens à dire que c'est une vidéo que je vais faire d'un point de vue objectif et avec respect. Je veux pas créer de drama, je veux pas que des gens aillent insulter un tel, oh t'es nul en ceci, en cela. Je veux pas que certains joueurs ou créateurs qui sont dans cette tier list se sentent blessés ou quoi que ce soit. C'est purement mon avis et j'essaie d'être le plus objectif possible. C'est-à-dire quand je dis objectif, que je ne vais pas prendre en compte les dramas ou les relations que je peux avoir avec certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes avec qui je vais m'entendre et avec certaines personnes avec qui je ne connais pas ou tout simplement je m'entends pas forcément. Mais je vais vraiment pas du tout prendre en compte cet aspect là. En revanche, ce que je vais prendre en compte, ça va être le level général. Donc le level général va y avoir le skill, l'expérience, le shoot, l'aim, les placements, etc. Voilà, le level général. Je vais également du coup prendre en compte tout ce qui est la communication, la mentalité également. C'est un joueur rage, etc. C'est un joueur, il a des bonnes communications, etc. Et en plus de ça, on va dire ça va être bonus ou malus selon les gens. C'est-à-dire que je vais prendre en compte le palmarès qui va prendre quelque chose d'important dans ma note. Voilà, un bon emplacement dans ma note. Le palmarès, même si ça va pas tout prendre. Et également les expériences personnelles que j'ai eues avec eux. Quand je dis expérience personnelle, c'est pas, je vous ai dit, si j'apprécie la personne ou pas. C'est tout simplement vraiment les games que j'ai eues avec eux. Enfin, pas les games, mais comment ils ont joué dans les games. Les bonnes actions qu'ils ont fait, les mauvaises, leur façon de penser. Parce que j'ai remarqué, voilà, il y a des joueurs, je trouve que ce qu'ils font, c'est pas bon du tout. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment mauvais. Que vous l'aimiez ou pas, qu'il ait du résultat en compétition ou pas. Vraiment, il y a des joueurs qui font des trucs de fou, des erreurs qui,
Et bref, mais l'expérience personnelle, en tout cas ce que j'ai pu remarquer en jouant avec certains d'entre eux. Et du coup, petite précision, mais du coup j'ai fait plusieurs catégories, donc GOAT, excellent, très bon, bon, correct et je t'aime frérot. Je tiens à préciser que à partir du bon, ça reste du très bon niveau de jeu les frères. Voilà. À partir du bon, on est quand même dans le 0-1 d'Apex Legends, voilà, du niveau d'Apex Legends. Pourquoi ? Parce que là en vrai, si on compare tous les joueurs, le niveau est extrêmement élevé et quasiment que des joueurs professionnels ou des très gros joueurs en ranked. Et à partir du correct, voilà, ça reste quand même un niveau qui est très correct en termes de niveau de jeu, qui fait partie quand même du haut panier d'Apex Legends. Donc si vous voyez vos streamers ou créateurs de contenu préférés déjà en bon ou correct, les refs ils sont déjà extrêmement forts. Après en je t'aime Ferrero, vous pouvez le voir, il y a quand même des créateurs de contenu quoi assez casual et ou des joueurs assez casual et du coup ils vont peut-être être là. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ils sont quand même bien moins forts que toutes les personnes qui sont là, parce que le niveau est quand même globalement extrêmement élevé. Et dernière précision, alors je vais peut-être m'embrouiller un petit peu en le faisant, mais ceux à gauche ils auront un meilleur placement que ceux à droite. Petit exemple, admettons que je mets Suffraz, Luxi et Ulysse ici, c'est-à-dire que Suffraz sera meilleur que Amluxi, etc. Et si je mets du coup Ulysse ici, Ulysse sera meilleur que Luxi, etc. Cependant, pendant le classement, là je vais parler, je vais faire des petits trucs, il y aura peut-être à la toute fin une modification, c'est-à-dire que peut-être par exemple, je sais pas, donc là il y aura tout le monde de noter, au final Luxi, hop, je vais la mettre là, il va y avoir 2-3 changements, je vais me poser un petit peu et vous verrez du coup le classement final. Normalement ce sera léger parce que je vais essayer de faire bien les choses. Et du coup on commence avec Suffraz. Du coup on va commencer avec Suffraz. Suffraz, j'ai pas énormément de choses à dire. Si je dis pas de conneries, il était quand même vraiment pas mauvais au début du jeu, mais voilà, là il a un petit peu arrêté de jouer, etc. Très honnêtement, je pense que je vais le mettre dans correct. Je pense que je vais mettre dans correct pour très honnête. Peut-être bon, peut-être que je changerai à la fin. C'est là que je vous ai dit. Du coup, peut-être qu'il y aura des changements à la fin. Et pour moi, je vais mettre dans correct. Je pense qu'il a un niveau de jeu qui est très correct. Hein. Donc, comme je dis, voilà, très correct. C'est vraiment très correct. C'est vraiment pas mauvais au jeu. Mais voilà, peut-être qu'il montrera après. Je verrai un petit peu à la fin. Ulysse, mon frérot. Ulysse qui a pas mal de problèmes de connexion. Qui a pas vraiment l'occasion de prouver son niveau parce qu'il a vraiment pas mal de problèmes. Je vais mettre également en correct, même si je pense qu'il y a quand même une bonne différence de niveau entre les deux. C'est pour ça qu'il y aura peut-être un changement un petit peu après, mais pour l'instant il sera dans les corrects. AMLuxy que j'aime beaucoup ses streams, elle est assez chill. AMLuxy du coup, n'hésitez pas à aller la voir en stream, elle a fait du contenu également sur TikTok, sur Twitch, etc. AMLuxy que je vais mettre également en correct, je pense devant Ulysse. En très correct, pas grand chose à dire. Ensuite on passe à Sunzy qui était du coup un très gros joueur arène, qui a tapé le top 1 world en arène. J'ai pas énormément de choses à dire, il est globalement bon dans tous les domaines. Je dirais qu'il excelle en rien, mais qu'il est mauvais non plus en rien. Peut-être un problème de mentalité parce qu'il rage pas mal. Je pense que je vais le mettre dans la catégorie des bons joueurs. Je mets la cadrerie des bons joueurs. On verra après où il se situe. Donc bon joueur, là ça commence à tabasser les frères en termes de niveau. Donc je pense que Sunzy est un bon joueur. Peut-être qu'il montrera après, je sais pas. Tyr, alors Tyr qui n'est pas du tout un joueur connu. J'ai pas énormément de choses à dire. Pourquoi? Parce que là il joue avec Oni. C'est pas un mec que je connais personnellement ou quoi. Il m'a fait globalement bonne impression quand je l'ai vu jouer. Malheureusement, je connais pas trop son level. Je vais mettre dans bon derrière Sunzy. Je pense que c'est un bon joueur. Ça se trouve, il est bien meilleur que ce que je pense. Hein. J'espère qu'il est même bien meilleur que ce que je pense. Globalement, Tyr est un bon joueur de ce que j'ai pu voir. Ensuite, on passe à Neka. Neka, c'est un cas particulier parce que Neka, je pense, c'est un joueur qui a un énorme potentiel gâché parce qu'il a une mentalité assez spéciale. Après, en termes de jeu, il est globalement très bon dans tout. Peut-être c'est un peu un hinter. Cependant, Neka, je sais qu'il a le potentiel pour écouter. Je pense que je vais le mettre dans très bon pour le moment. Ouais, je pense que je vais mettre Neka quand même dans le très bon. Il s'est qualifié en Pro League, etc. Il mérite sa place malgré son défaut qu'il est un petit peu. Nesro, pareil, qui n'est pas très connu. C'est un joueur Apex. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui de temps en temps. Nesro, honnêtement, je vais le mettre dans le bon. C'est un bon joueur. Je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre derrière Tyr. Là, mon avis, vraiment, les refs, il est un peu bancal parce que j'ai pas forcément trop d'expérience avec eux. Donc voilà. Exomadara, vraiment, je kiffe son contenu, les refs. Il fait également du contenu sur TikTok et sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner. Mais il va dans la catégorie des je t'aime, frérot. Je suis désolé, frérot, mais avec tout ce beau monde, je pense pas que tu leur arrives à la cheville en termes de niveau de jeu. Mais globalement, après, voilà, c'est pas du tout son but d'être du haut niveau. Il nous divertit avec sa façon de penser, ce qu'il dit, etc. Continue ce que tu fais, mon ref, mais je te mets dans le je t'aime, frérot. Oni officiel, alors là c'est un petit peu comme Neka, mais là je vais vraiment m'attarder un petit peu sur ce type de joueur, donc ça vaut un peu pour Neka. C'est des joueurs qui sont vraiment bons dans tout et qui peuvent être même excellents dans tout en termes de fight, en termes de clutch, etc. Mais ils ont un gros défaut, c'est
c'est leur mentalité. Oni plus que Neka. Ça me fait un peu mal au cœur. En fait, je voulais le mettre dans bon. Je voulais le mettre dans bon, honnêtement. Alors que franchement, il mérite d'être dans très bon. Mais je vais quand même le mettre dans très bon derrière Neka. Pourquoi? Parce que Oni a un vrai problème de mentalité. J'hésite même à le mettre dans le bon, pour être honnête. Hein. Je pense qu'Oni restera dans la catégorie très bon à la fin. Mais à la toute fin. Parce que Oni, il excelle dans plein de points. Il est vraiment bon dans plein de points. Sauf IGL. Faut pas qu'il IGL, le frérot. Mais en termes de mentalité, il nerve ses teammates. Il a tendance à rager. Il a tendance à int. C'est un gros inter. En vrai, je le mets un peu à contre-coeur dans les très bons. Je pense qu'il est vraiment pas loin des bons. On passe du coup à Orax. Orax, pas grand chose à dire. Une bonne expérience. Bon, maintenant, voilà, il est plus dans la création de contenu. Chill, il stream, etc. Je pense que je vais mettre Orax dans la catégorie des bons. Orax est un bon joueur. Pas énormément de choses à dire. Il peut proposer des belles choses, etc. Là, honnêtement, je pourrais pas vraiment vous dire qui est le meilleur. Je pense qu'Orax est un peu moins bon que. Je pense qu'il est moins bon que Sunzy, mais je pense qu'il est un petit peu moins bon que Destroyer. Donc voilà, Orax, il mérite la place dans les bons joueurs. Padawan, alors Padawan, c'est pas quelqu'un de très connu. C'est un joueur, voilà, qui joue avec différents créateurs de contenu, voilà, de temps en temps. Padawan qui a un gros potentiel, qui est bon dans plein de choses, mais il manque un petit quelque chose. Il manque un peu qui s'affirme, etc. Honnêtement, j'aimerais le mettre devant Orax, mais il manque un petit truc. Il manque un peu de personnalité dans son jeu. Je pense que du coup, je vais le mettre derrière pour le moment. On verra après. Je vous ai dit, voilà, je le répète encore, mais je vais faire un petit changement à la toute fin de la vidéo pour le classement final. Je pense que je vais le mettre derrière Orax. J'y savais avec qui j'ai joué un petit peu, donc voilà, je peux vous dire. J'ai très vite, selon moi, selon mon point de vue, vu un petit peu ses qualités et ses défauts. Donc il a, selon moi, des défauts de jeu. Donc voilà, je vais pas vraiment m'attarder sur chaque cas, mais il a aussi des grosses qualités de jeu. Je pense que je vais le mettre dans très bon parce qu'il a également un palmarès. Je vais le mettre devant Neka et Oni. Je pense que quand même, il y a quand même un écart de niveau entre ces joueurs. Pas forcément énorme, mais voilà. Et en plus de ça, il y a quand même son palmarès et sa mentalité qui est globalement bonne. Hein, il a globalement une bonne mentalité. Donc il mérite sa place dans très bon. En plus, c'est un IGL. Parce qu'il y a quelqu'un du moins qui peut IGL, etc. Donc globalement, ça va être très bon joueur. Pas grand chose à dire là-dessus. On passe ensuite à Pearl. Pearl qui est un joueur DCC. Voilà, il fait CCC, etc. Pour la petite anecdote, bah, c'est lui tout simplement qui a fait la tier list que je lui ai demandé. C'est un modérateur à moi. Pearl, très honnêtement, je vais le mettre dans les corrects, je pense. Malheureusement, je peux pas dire énormément de choses par rapport à Pearl. Je connais pas. Je l'ai vu vaguement jouer et j'ai joué vaguement avec. Je pense qu'il est meilleur que ces trois joueurs-là. Je pense qu'il est pas loin d'être bon. Il a un petit potentiel pour être bon. Pearl est un joueur qui est très correct. Robin. Alors Robin, c'est un joueur que j'apprécie parce qu'en fait, il va être bon. C'est-à-dire qu'il va pas excel, mais il va être bon dans tout. Bon dans les coms, bon dans sa façon de penser, bon dans la mentalité. Il va être bon, il va pas exceller. Il a pas vraiment de points faibles, il a pas vraiment de points forts, il est bon. Honnêtement, je le mets ici. J'hésite à le mettre même devant Sunzy en soi, peut-être parce qu'il y a quand même une mentalité qui est un peu meilleure. J'hésite si je mets... Je vais mettre Robin devant Sunzy. On passe ensuite à Thorfinn. Thorfinn, un petit peu pareil. Thorfinn qui est bon dans tous les domaines, il est pas excellent dans un domaine particulier, il est pas forcément mauvais dans un domaine particulier. En termes de palmarès, Thorfinn, il commence à se faire un palmarès qui est globalement très intéressant. Après, malheureusement, là, il va se prendre des points en moins, c'est l'expérience que j'ai avec lui. Parce qu'en vrai, à chaque fois que je joue avec lui, eh bien, je l'ai pas trouvé fort. C'est pas méchant contre lui, mais ah, ce que je vous ai pas dit, c'est que je vais également du coup prendre en compte un petit peu très rapidement les classements, ceux qui jouent les Realms étaient où. Voilà, je vais le prendre en compte un petit peu dans ma tête. Mais en Realms, pareil, il était aussi globalement bon. Il crée un palmarès. Je pense que je vais mettre derrière Sunzy. Je vais mettre derrière Sunzy parce que bah, malheureusement, en expérience personnelle, Thorfinn avec moi, et j'ai joué en plus plusieurs fois avec lui. Souvent, il a tendance à mourir pour rien, pas forcément très bien joué. Mais après, je vois qu'il performe tranquillement. Thorfinn est un bon joueur, même peut être très bon joueur. Voilà, je le mets à cette position. Vini, alors Vini, c'est un joueur assez particulier qui s'est fait soupçonner de shit, etc. Pour avoir joué avec, honnêtement, après, par contre, il y avait une période, il était un peu sus ou quoi. Je vais le mettre dans correct. Je vais le mettre devant Pearl en correct. Il pourrait être bon. Vini, bah maintenant, de toute façon, il joue même plus, je crois. Voshi, les frères, c'est quelque chose. Il avait un défaut, selon moi, à l'ancienne quand je jouais avec lui. Mais il a que des qualités. Il est soit que très bon, soit excellent dans certains domaines. C'est un des meilleurs fighters français. Je vais pas dire monde, mais il a le potentiel. Surtout avec Bangalore, il est vraiment fort, même avec toutes les légendes. Quelqu'un qui met d'énormes pressions. Le défaut qu'il avait, c'est qu'il était ultra tunnel vision. Avec un petit peu d'ego dans le jeu. Quand je avec lui, c'est à dire qu'en fait il pensait pas aux autres, il pensait vraiment qu'à lui et il avait tendance à pas te suivre, etc. C'était un peu dommage, c'est vraiment le défaut. J'espère que ça s'est corrigé avec le temps. J'ai parti du principe que ça s'est corrigé avec le temps. J'ai pu rejouer avec depuis, ça fait un an, on a pas joué ensemble, je sais même pas combien de temps, plusieurs mois. Je vais mettre dans excellent les frères. Voshi sous-côté, il a également il stream, donc allez follow du coup sur Twitch et sur YouTube, les frères. Il fait aussi des compiles, je crois, toutes les semaines sur une compile d'action, ils sont assez bien. Donc Voshi, vraiment excellent, c'est un très très bon fighter et il a une bonne mentalité dans la globalité. Yuki, alors Yuki, c'est le teammate à Voshi.
Malheureusement, je peux pas trop juger. J'ai vu globalement le stream, c'est ok. En expérience personnelle, je dirais pas ouf. J'ai pas fait des games ouf avec lui. J'ai pas trouvé que c'était incroyable. Après, dans sa mentalité, je pense que c'est un mec chill. Y a pas de souci là-dessus. Ça reste globalement un bon joueur. Je pense que UQ, je pense que je le mettrai ici, les frères. Donc là, on passe ensuite à YOLO. YOLO, du coup, joueur compétitif. J'ai joué avec lui un petit peu, etc. YOLO, c'est quelqu'un qui est bon dans tous les domaines. Pour son, il est assez jeune, il est quand même assez, il est très professionnel pour son jeune âge. Il est très professionnel, très posé, il a pas d'ego dans le jeu, il t'écoute, etc. Il sait dire des calls, il sait écouter des calls, c'est très important de dire des calls et d'écouter des calls. Très très important les frères. YOLO, je vais le mettre dans très bon, je pense. Je pense que je vais mettre YOLO dans très bon et je vais le mettre devant Neka et Oni. Du coup, pour le rappeler, Neka et Oni qui se prennent un gros nerf à cause de leur mentalité un petit peu et le fait que ça soit des hinters de fou, selon moi. Et YOLO, en plus de ça, un palmarès. Zeratiz, alors Zeratiz les frères, j'aurais pas dû le mettre dans cette tier list parce qu'en fait, si vous voyez, tous les autres c'est des humains et Zeratiz c'est un mec boosté aux stéroïdes, si vous voulez, tu vois, bien musclé. Non, en vrai, parce qu'en fait il joue, pour ceux qui savent pas, il joue avec des macros qui permettent de faire quelque chose qui sont impossibles. Donc il a des moves qui sont irréalisables, etc. Donc bon, je le mets dans la tier list parce que là c'est un créateur de contenu, etc. Mais voilà, du coup Zeratiz, où je pourrais le mettre, il est pas bête, en vrai il est pas bête dans le jeu, il est assez intelligent. Zeratiz, je pense qu'il va aller là. Zeratiz, il va aller là. Mais voilà, je tiens à dire comme ça, Zeratiz, pour jouer avec lui, il a compris le jeu, il comprend comment clutch, etc. Malgré ses macros, malgré tout ça. Et je pense qu'il a un potentiel pour au moins être dans le très bon. Enfin bref, s'il s'enfermerait pas dans son truc de macro, de zigouigoui, etc. Mais malheureusement, comme il a pas le palmarès, etc., je peux pas le mettre. Cicop, alors Cicop, les frères, c'est assez intéressant parce que c'est un joueur qui a quelques défauts qui peuvent être impactants. Mais il a d'énormes qualités. Les frères, Cicop, c'est GOAT. Cicop, c'est GOAT. En plus, il a un bon palmarès. Il a pas le meilleur, mais il a quand même un très bon palmarès par rapport à tout le monde. En vrai, il serait dans excellent, mais avec Bangalore, c'est GOAT. Enfin, je vous le dis, genre excellent, c'est-à-dire qu'il est bon, il met d'énormes pressions et tout, et Bangalore, c'est GOAT. Il a juste trop compris Bangalore. Le point faible de ce joueur, ce serait que je pense qu'il a pas bien compris la mentalité, comment il faut faire pour qu'il performe dans les tournois. Je vais pas dire ce que je pense vraiment du pourquoi, du comment, mais je pense qu'il pourrait vraiment aller très très loin. Et je pense que c'est un des top 20 fighter world. En termes de fight pur, je pense qu'il est dans le top 20 world, voire même dans le top 10. Ce qui va poser souci, c'est peut-être un petit peu qu'il râle sa mentalité sur certains points. Et il a un peu d'ego en game, c'est chiant pour avoir joué avec. Mbot, alors Mbot, c'est assez particulier parce que Mbot, il est correct dans tous les points. Il a une bonne mentalité, il a des bons calls, etc. Malheureusement, j'ai joué, il se prend des malus. Pourquoi? À cause d'expérience personnelle. J'ai joué 4, 5, 6 fois. J'ai joué quelques fois avec lui. Et à chaque fois, je sais pas, j'avais l'impression de jouer avec un mec qui faisait H24 mourir. C'est pas un méchant, hein. En termes d'expérience personnelle, j'ai vraiment pas une bonne image. Pas d'embrouille, hein, mais je parle vraiment en termes de jeu pur. Après, il est peut-être vraiment à chaque fois dans ses mauvais jours, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Après, globalement, il est correct dans tout. Il est correct dans tous les points. Il a pas vraiment de gros défauts ou quoi. Du coup, Mbot, je pense que je le mettrai. Je pense que je le mettrai là. Je pense que je mettrai Mbot ici. Et du coup, Kizaron, en fait, je me rends compte qu'on vient de faire la team, etc. Alors, Kizaron, c'est quelqu'un qui, si je dis pas de conneries, hein, pourrait me dire en commentaire, qui a fait les CC pendant 3 ans, qui à chaque fois allait en finale, ce qui est déjà très bien, mais qui ne les a jamais gagnés, donc qui n'est jamais en Pro League, qui du coup s'est fait repêcher par Cicop et Mbot, et qui du coup, bah, performe. Après, je l'ai vu un peu jouer, je l'ai fight un peu de temps en temps, pas grand chose à dire, je connais pas vraiment ses pur défaut et ses qualités. Je pense que je vais le mettre ici. Je pense que je vais mettre ici aux côtés de Mbot. Je vais peut-être même faire l'inverse. Ensuite, on passe à KS Winnie. Alors, KS Winnie, si on devait faire une barre de stats, franchement, il serait God tier, God tier dans certains points et il serait tout en bas dans d'autres. KS Winnie, c'est God. Je crois que c'est celui qui a le plus gros palmarès français. Alors, de base, je voulais le mettre devant Cicop. Mais je vais le mettre derrière. Je vais expliquer pourquoi. En fait, KS, il excelle dans l'expérience, il excelle dans le IGL, il excelle. Donc là, c'est vraiment excel, hein, dans le fait de savoir bien s'entourer. Il excelle dans plein de choses à ça. En termes de fight, il est bon. Il est pas god tier, etc. D'ailleurs, petite anecdote, je trouve que voilà, il est bon. Il est bon au CS. Manette, il était catastrophique. Vraiment, manette, j'aurais mis en très bon. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment, je sais pas pourquoi il est passé manette. Voilà. Après, ce qui va le nerf vraiment, c'est ça. Je sais que c'est très dur de jouer avec un joueur comme KS. Quelqu'un qui a une mentalité qui a vraiment tendance à crier dessus, etc. Et c'est même pas à raison. Alors, pour être honnête, il crie pas sur les gens à raison. Parfois, faut juste pas crier. Il y a vraiment pas de raison. Pour avoir joué avec, t'as beau clutch, t'as beau super bien jouer, parfois il peut quand même crier dessus. C'est dommage. Vous pouvez aller voir son contenu. Du coup, également, il fait TikTok, Twitch et YouTube également. Donc, vous pouvez aller vous abonner. Mais voilà. Et pourquoi du coup, je mets KS derrière Cicop, malgré qu'il ait plus de palmarès, etc. Parce que
parce que je pense que Cyclope est plus talentueux. Bon, je pense que c'est un mec qui a du talent, Cyclope. KS, je dis pas qu'il a pas de talent, mais je pense que sa mentalité lui fait perdre trop de points. Honnêtement, il aurait pas une mentalité qui rage, il a tendance à rager facilement, je pense qu'il le sait. Et ben, je pense qu'il serait devant Cyclope, mais ça nerve trop les coéquipiers. En fait, quand quelqu'un rage, etc., te crie dessus, ça met de la pression et ça nerve un peu tes coéquipiers. Altanis, du coup, créateur de contenu qui va d'ailleurs monter cette vidéo. Altanis, en vrai, avant jeu, il est très correct. Hein. Altanis, très correct. Malheureusement, il faut une prochaine saison de rank. Il faut qu'il ait une squad et voir ce que ça donne. Une vraie saison de rank. Altanis, je vais le mettre derrière Suffraze. Franchement, je pense que Altanis est peut-être meilleur que Suffraze à l'heure actuelle. J'en ai aucune idée. Mais si j'ai pas de conneries, Suffraze avait un petit peu de palmarès au début du jeu, etc. Donc je vais mettre Altanis derrière. Mais Altanis, vraiment, il est. Franchement, il est correct. Je vois les TikTok, il tabasse un petit peu. Je pense qu'il manque quand même de l'expérience et de jouer avec, avec des joueurs d'expérience. Du coup, Amaz. Alors, Amaz, selon moi, les frères, c'est un gâchis. Un gâchis, pourquoi? Parce qu'il a une énorme qualité et il a full défaut, les frères. Selon moi, c'est pas méchant, mais il a full défaut. Qualité, c'est qu'il est très fort en fight. Selon moi, il est quand même quelques crans en dessous de mais en termes de fight pur, il est très fort, surtout avec des armes, je sais pas pourquoi. L'Eva 8, frère, il est trop fort avec cette arme. Même, il met énormément de dégâts, il mise pas, il clutch beaucoup. Après, le problème en défaut, selon moi, en termes de lecture de jeu, tout ça, il a fou problème. J'ai joué avec lui, j'ai un ultra mauvais feeling avec lui, mais ultra mauvais, les frères. C'est dommage, parce qu'en termes de fight pur, il est très bon. Après, il a un ego, il insulte, il rage, il machin. Je trouve que c'est trop dommage. Je pense que je vais le mettre là. Hein. Je vais le mettre là. Ouais, honnêtement, je vais le mettre bon. Ça reste un très bon joueur, il a un palmarès, etc. Mais selon moi, mes critères, ce que c'est qu'un bon joueur, le fait de. En plus, c'est un inter, ça veut dire que c'est un inter comme Neka et Oni, donc c'est dommage. Après, voilà, j'ai rien compris personnellement ou quoi, mais c'est dommage parce qu'il est très bon en fight. En termes de fight pur, il est vraiment pas mauvais. On passe ensuite à Obélix. Obélix, joueur manette, honnêtement, pas énormément de choses à dire. En plus, il excelle dans rien, il est pas vraiment nul dans quelque chose. Il est très gentil, c'est quelqu'un de très gentil. Malheureusement, il rage beaucoup. Rage, ça, tu prends des points en moins, tu nerfs un peu tes teammates. Je pense que je vais mettre derrière Padawan. Non, je pense que je vais quand même le mettre. Derrière Amaz quand même. Je pense compétition ou quoi, Amaz sera quand même meilleur qu'Obé, mais voilà. Ayakashi, alors Ayakashi les frères, c'est compliqué de juger ce joueur parce que je sais même pas comment il fait pour rester en vie. En fait, il veut même pas être fort, il fait juste des défis, etc. Même s'il a touché le prêt voilà, cette saison, enfin il était top 50 ou quoi, maintenant il joue plus. Ayakashi en vrai, je vais le mettre ici les frères. Je pense que je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici et encore, ça se trouve, il est moins fort ou plus fort. J'ai pas grand chose à dire sur Aya. Aya, en tout cas, je t'aime frérot. Il stream sur Twitch et c'est un giga très herdeur. Il fait des top 1 world de défis d'armes, de trucs. C'est un ouf, il est très gentil. Allez follow sa chaîne Twitch, frère. Alors là, du coup, on passe à Crixus. Alors Crixus, selon moi, un bon joueur. Honnêtement, il a pas de défaut. Crixus a pas de défaut, hormis qu'il a pas de palmarès et pas d'expérience. Crixus, en vrai, je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre là en vrai. Hein. Il tabasse en vrai, les frères. Hein. Hardest, alors Hardest, il joue plus trop à Apex. J'ai pas grand chose à dire. J'ai joué un petit peu avec. J'ai vu ses qualités, ses défauts. Je pense que je vais le mettre là. Ouais, y a pas de suite, les frères. Zidane, alors Zidane, un petit peu particulier. Parce que là, voilà, on va dire qu'il impressionne avec la saison 17, top 3 world ou quoi. Bon, ça vaut rien. En tout cas, c'est un très hardeur. Zidane a des défauts et des qualités. C'est pareil, c'est la même catégorie entre Oni. Zidane et Neka. En vrai, on va dire que c'est les mêmes joueurs, les trois. Mais on va dire que la mentalité va de pire en pire. Voilà, je vous le dis. En fait, c'est leur mental qui les truc parce que c'est des gens qui insultent beaucoup. Pas trop Neka. Neka, c'est un peu particulier. Mais surtout, Oni et Zidane, c'est des gens qui insultent beaucoup, qui ont tendance à rager, etc. À pas écouter et à ego call dans la game. Et ça, c'est horrible, en fait. Surtout pour Oni et Zidane. Un petit peu moins pour Neka. Mais c'est des mecs qui vont te carry la game. Genre, ils vont te la carry. Mais en fait, ils vont plus te niquer les games qu'ils vont te carry. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils vont souvent tenter d'un V3, mourir. Et c'est dommage, en fait. Qu'ils aient ce défaut là parce qu'ils sont très bons. Ils sont très bons et c'est dommage. Donc voilà. Ensuite, Joke V2. Alors là, je vais vous surprendre. Mais Joke V2, honnêtement, je le mets en je t'aime frérot. Non, je le sais une blague. C'est une blague, je le mets en excellent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Joke, il a pas énormément de défauts. En fait, il a des défauts, mais pas dans le jeu. En fait, généralement, je sais qu'il peut insulter ou quoi. Mais en vrai, c'est parce qu'il est avec sa bande de potes et qu'il rigole. Mais en vrai, Joke, je dirais que le truc où il est le moins bon, c'est en fight, étrangement. Alors qu'il est très bon. Hein, mais je pense qu'en fight, de temps en temps, je l'ai regardé jouer. Je sais pas, il fait des erreurs un petit peu bizarres qui, moi, me dérangent. Je sais pas. Il doit se mettre une batte, il s'en met pas ou quoi. C'est bon, c'est un peu dommage, mais il a un bon IGL et surtout en vrai, ça m'impressionne parce qu'il joue avec Zidane qui est un putain d'inter et il arrive à perf avec un joueur comme Zidane et à lead. En plus, il dit des bons calls, etc. Donc en vrai, Joke excellent. En plus, ça, j'ai joué quelques fois avec et c'est très rare et j'ai ressenti une bonne synergie. Il a compris le jeu, il a compris comment faut jouer, même quand il jouait avec Cyclope à l'époque, il a compris un peu qu'est-ce qu'il fallait faire, comment fallait jouer, etc. Donc voilà, Joke pas mauvais du tout, honnêtement. Aski, alors.
Alors là, Aski, je vais vous surprendre également. Mais je vais le mettre dans excellent. Alors je pense qu'il sera dans le dernier des excellents. Parce qu'il a une mentalité un petit peu particulière et c'est vraiment dommage. Mais en vrai, Aski, il a pas vraiment de défaut hein, à proprement parler pour jouer avec. Alors là, il est connu pour le charge rifle, etc. Aski, c'est quelqu'un qui peut donner des calls, qui en donne pas des mauvais. C'est pas un IGL, mais il peut donner des calls. Il a compris des choses. Quelqu'un qui suit également les calls, donc a pas d'ego. Ça, c'est très important le fait de suivre les calls directement. Il est très fort en long range. Et en vrai, même en close range, il est fort pour avoir joué avec. Hein. Peut-être, voilà, il a un petit défaut de mentalité et un petit défaut de temps en temps. Quand il passe devant, et ben il devrait pas, il le fait pas bien. Il limite un petit peu. Et globalement, Axi, il est très bon. Et là, on passe du coup à clone. Clone, c'est un peu particulier parce que je sais pas si je juge le clone manette ou le clone CS. Je vais juger le clone manette parce qu'il a décidé de monter manette. Donc voilà, dites-vous qu'en CS, il aura un poil plus. Honnêtement, je le mets ici parce que en vrai, il a un bon IGL, mais un IGL fin de game nul. Voilà, donc l'IGL de la game est bon. En fin de game, c'est nul. Après, globalement, il est pas mauvais. Il est plutôt bon dans. Il est plutôt bon. Et bon, malgré qu'il fait un petit peu. Mais manette, moi, je trouve vraiment pas fort, les frères. Là, justement, il croit que ça marche parce qu'on est en saison 17. Mais honnêtement, manette, je trouve pas fort du tout. Du coup, je vais le mettre ici. S'il serait 16, il prendrait quelques places. Mais clone, je mets. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur très sympa, très bonne mentalité, très gentil. En vrai, ça joue. Vrai, carrément, en vrai, bah, tu sais quoi. Avec sa mentalité, je le mets ici. Sa mentalité, je le mets ici en vrai de vrai, clone. I'm Luke. Attends, mais je l'ai pas déjà placé. Attends, mais elle y est deux fois. Ok, bah c'est un fail. Et du coup, maintenant, on passe à Weistug. Alors, Weistug, rien à dire. En vrai, Weistug, il est quand même correct. Il est quand même pas mauvais. Il sait jouer, mais après, c'est vrai quand même, il est quand même assez casual. Il a une mentalité assez casual. Honnêtement, j'hésite à le mettre dans le je t'aime frérot. Ou peut-être, je pourrais mettre Ulysse en je t'aime frérot également et mettre Weistug devant. Je sais pas, parce que je crois que Weistug est quand même meilleur qu'Ulysse en vrai. Weistug en je t'aime frérot et Ulysse, je vais le mettre là. Je pense que c'est bien, les frères. Après, en vrai, Weistug pourrait peut-être être là. Je pense qu'on va mettre Weistug là, en vrai. Je pense qu'on va mettre Weistug ici. Il a quand même une petite expérience. En vrai, quand on le voit jouer, on peut critiquer, mais ici, il sait quand même jouer. Il est quand même correct. Après, bon, voilà, c'est pas son but d'être un crack, les frères. Tone, alors malheureusement, Tone, je sais pas, les frères. Je connais un petit peu, je joue un petit peu avec. Je sais pas trop. Je pense que clone, je vais le mettre là. De mémoire, j'ai pas eu un ressenti de ouf en jouant avec lui. Là, malheureusement, c'est que des suppositions. Peut-être qu'il mérite une place plus haute, mais en tone en tout cas je vais le placer ici. Je pourrais même peut-être le placer entre Kizaron et Mbot. Non, je vais même le placer au-dessus, mettre entre Kizaron et Mbot tone. Tayla, alors Tayla, un joueur malheureusement c'est pareil, je l'ai vu un petit peu en stream, j'ai joué avec il y a longtemps, peut-être une ou deux fois à peine. Je sais que c'est un joueur qui est correct, je crois qu'il a une mentalité assez spéciale hein. Je pense que Tayla a une mentalité assez spéciale et je vais le mettre devant tone, peut-être devant Kizaron également. Ouais, QQ tone Kizaron Tayla. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Clémy, du coup Clémy c'est un joueur avec qui je joue un petit peu, donc j'ai pu voir un peu ses qualités, ses défauts. Il a une bonne mentalité. Peut-être qu'il est intéressant. Il est pas nul dans quelque chose, mais il excelle dans. Enfin, du moins, ce que j'ai remarqué. Il n'a pas non plus d'excellence dans quelque chose, un domaine particulier. Je suis en train de réfléchir où je vais mettre Clémy. Il a un petit palmarès en Pro League. Enfin, voilà, il est en Pro League, etc. Il a gagné les CC une fois. Donc, je pense que je vais le mettre au-dessus de Kiza. Étant donné que Clémy a gagné les CC en vrai, je pense que je vais le mettre là. Voilà. Faco, le maître de team également. C'est un petit peu en. Je pense peut-être un poil moins fort ou du moins un peu différent. Un peu comme Oni, Zidane, etc. À part qu'il a une très bonne mentalité, contrairement à eux. Faco, en fait, c'est un hinter. Il a une puissance de feu qui est vraiment bonne, hein, mais c'est un hinter. Hein. Je pense qu'il a une puissance de feu un peu supérieure à Clémy. Je vais le mettre. Je vais le mettre devant Clémy. Enfin, j'en mets un devant l'autre. Voilà. Babylone. Alors, Babylone, les frères, je vais le mettre à un endroit à contre-coeur. Je le mets en excellent. Babylone, je mets en excellent. C'est vraiment un contre-coeur parce que je sais que Babylone a une mentalité qui est proche de la catastrophe. Il est pas toxique, Babylone. D'ailleurs, c'est pour ça, s'il serait toxique, il serait en très bon. Mais je sais qu'il est archi pas professionnel, etc. Après, j'ai joué avec lui quelques fois. Et en fait, moi, ce qui m'impressionne, les frères, c'est un mec qui meurt pas. Un mec qui meurt pas, c'est ça qui m'impressionne. C'est juste un mec qui meurt pas, qui sait donner des calls et qui sait suivre des calls. Ça m'impressionne. C'est pas un mec qui fait des 20 kills. Babylone, dans sa place d'excellent. Malgré sa mentalité, je sais qui est très très problématique. Noobi, alors Noobi globalement qui est bon dans tout, bon joueur. Je sais qu'il a une mentalité un petit peu particulière aussi, étant donné qu'il a beaucoup d'ego et qu'il peut rager d'une manière. En fait, il rage à sa manière. Noobi side, où je pourrais le mettre? Noobi side, je pense que je vais le mettre ici. Je vais peut-être le mettre là. Mais ça, je vais mettre ici. Funza, le frérot. Funza qui est vraiment créateur de contenu, du coup, sur TikTok, Twitch, etc. Funza, en vrai. J'ai vu mettre des petites dingueries, des petits trucs. En vrai, je suis en train de me dire peut-être que je sous-cote Ulysse. Parce qu'en vrai, lui, j'ai vu mettre aussi des petites dingueries. Je sais pas si c'est meilleur que ici ou pas. Je pense que je vais mettre là. Là, je sais pas, les frères.
Ah, je suis une tier list, je sais pas, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Gonzalez, alors Gonzalez il joue plus au jeu. Gonzalez, normalement, qui était assez sous-coté, je trouve. Hein. Je pense que Gonzalez, il a le potentiel pour être excellent ou très bon. Il manque un truc. Je pense que Gonzalez, très très bon mécaniquement. Très très bon mécaniquement. Je vais le mettre là parce qu'il joue plus. Je vais le mettre là, peut-être qu'il aurait pris des places en plus, mais il joue plus, les frères. Léa, alors Léa, j'ai pas 20 millions de choses à dire. En vrai, Léa, je l'ai vu jouer. En vrai, correct. En vrai, correct quand je l'ai vu jouer. Mais là, en vrai, pour moi, ça prend le même level que Funza et je suis pas sûr. Je vais la mettre là, devant Funza. Je pense qu'elle est meilleure que Luxie. Funza, peut-être je le sous-cote. Et je suis désolé si je le sous-cote. Vraiment, c'est trop dur, les frères. En vrai, c'est trop dur de tout savoir. Donc voilà, je la mets ici. Ensuite, Meitaki, en vrai, Meitaki correct, hein, qui a un niveau correct, etc. Moi, je la mets derrière Wastag. Putain, je suis en train de me dire, les pauvres Exo-Ulis, là, ils se retrouvent tout seuls en bas. Voilà, bon, je la mets derrière Wastag, Meitaki. Puccini, alors Puccini, les frères, c'est vraiment, je crois, un des seuls joueurs, j'ai pas joué du tout avec lui. Et je sais qu'il est bon à peu près dans tout. J'ai pas grand chose à dire. On m'a rapporté qu'il avait une mentalité assez particulière et je sais pas si j'ai pas envie de dire que ça se ressent en stream pas. J'ai aucune idée si c'est un mec sympa ou pas ou quoi. Je sais pas, je pense que Puccini, je vais peut-être le mettre là. Je pense que je vais mettre ici Puccini. Seiwo, alors Seiwo, il y a un problème parce que en stand de tir, c'est un des meilleurs joueurs du monde et en game, ce n'est pas un des meilleurs joueurs du monde, les frères. Donc voilà, Seiwo, après, comment il est bon, j'ai pas joué avec lui, je crois. J'ai quasiment pas joué avec lui, je peux pas trop vous dire, etc. Je pense que Seiwo, je vais le mettre ici. Donc voilà, après un peut être un peu devant l'autre, etc. Donc voilà. Stro, c'est un mec qui joue plus. Les frères, en vrai, malheureusement, frérot, j'ai trouvé qu'il était un petit peu surcoté. Pas méchant, hein, mais c'est tout mon avis. Je trouvais qu'il était un peu surcoté. J'aimais pas trop son style de jeu. Après, il est pas non plus nul en quelque chose, mais il est moyen, quoi. Il est moyen dans tout. Je pense que je vais le mettre ici. Après, Stro, par contre, savait s'entourer pour le coup. Mais voilà, je le mets ici. Peut-être on peut le mettre devant OB en vrai. Devant OB, mais quitte à choisir, par exemple, je préfère jouer avec OB que Stro. Mais bon. Zer, alors Zer, joueur français, voilà, pas très connu, qui stream également sur Twitch. Zer est correct. Il est pas mauvais, pas forcément excellent, mais il est pas mauvais. On peut dire qu'il est mauvais. Par contre, Zer, il a une mentalité très particulière. Il a tendance à s'embrouiller facilement avec les gens. Zer, je pense que je vais le mettre là. Mouette, El Muetos. Le El Muetos en vrai, correct, hein. Correct. Une fois, petite anecdote, il m'a dit un truc qui m'a pas plu parce qu'on parlait, etc. Et il m'a dit qu'ils sont fichés de progresser. Et ben, tu sais quoi, on fiche de progresser. Et ben, tu vas ici. Voilà, pas les couilles. Et ensuite, on passe à Fugu, le F. Les frères Fugu, c'est un peu un gâchis parce qu'il a pas d'expérience sur Apex. Et c'est chiant, il a pas d'expérience. Et en fait, ça lui fait perdre énormément de points parce qu'en fait, je serais de mauvaise foi si je le mettrais devant d'autres joueurs. Alors, je suis persuadé qu'il a le talent, le potentiel pour. Fugu, là où il excelle, ça va être en termes de tracking, de shoot, etc. En fight, il va être bon. Il va pas être excellent, mais il va être bon. Après, son défaut, c'est tout ce qui est les compréhensions de situation, l'expérience, etc. Ça lui fait énormément de défauts pour avoir joué avec. Moi, je vais un peu comprendre les situations. Et Fugu, il va pas tout comprendre. Il va se prendre un bim d'entrée. Il va soit mourir ou quoi. Et c'est un peu embêtant, mais il a beaucoup progressé. Hein. Et ça, d'ailleurs, j'étais impressionné. Hein. J'avais joué avec lui. Il avait énormément progressé. Je vais le mettre là, à l'heure actuelle. Honnêtement, je pense que je vais le mettre là. Ouais, je pense. Le problème, c'est que je peux pas le mettre devant. Parce que le problème, c'est au niveau palmarès. Il y a des joueurs qui sont devant qui ont un palmarès. On va ce que dire ou pas. Bon, Fugu, je le mets ici à contre-coeur, les frères. Vraiment à contre-coeur de fou. Parce que pour moi, il est meilleur, mais il y a le palmarès quand on compte. Tous les joueurs au-dessus, ils ont un palmarès. Ils ont été en Pro League, ils ont un palmarès ranked, etc. Ouais, en fait, il a une bonne menta. Hein. Moi, il rage, il crie, mais en fait, parce qu'il est en stream. Non, je vais le mettre là. Je vais le mettre entre. Ouais, attends, je vais inverser, je vais mettre Seiwo devant, je vais mettre Puccini derrière, je vais mettre entre, voilà. Donc voilà les frères, au final j'ai regardé, je pense pas que je vais faire de changement. Alors, bien évidemment, dans la partie correcte, je connais vraiment moins les levels que les autres, parce que c'est plus des créateurs de contenu en mode chill, etc. Je pense pas m'être trop trompé, mais voilà, dans la catégorie bon, on peut-être faire des changements. Voilà, il y en a qui ont des palmarès, d'autres non, etc. J'essaie d'être vraiment objectif, les frères. Je pense, on pourra pas dire que j'ai pas été objectif. Je pense pas. Hein. Ou alors, insultez-moi ma daronne en commentaire, hein, si vous voulez. Mais j'espère que je vais pas attirer de la haine ou des gens qui viennent m'insulter en commentaire. C'est ma façon de penser. Vous pouvez penser ce que vous voulez, les frères. Et en tout cas, n'hésitez pas, du coup, à tous. La plupart, ils ont un Twitch, un TikTok, un YouTube, etc. Donc, vous pouvez aller vous abonner, du coup, tout simplement à leur contenu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux peut-être que je fasse une tier list des meilleurs joueurs européens, américains, voire même mondial, vraiment mélangé, etc. Ça peut être peut-être intéressant ou peut-être que tu t'en fous, je sais pas. N'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner si mon contenu te plaît et que tu souhaites voir du coup les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous fais la bise des refs.